Sautez haut, sautez, ça cuit. C'est quoi? Il y a une femme qui a trompé son mari. Et qui est? Quoi? La femme de Moustique le charismatique a fait fort. Quoi? La femme de Moustique le charismatique a partagé le zoo. Hey! Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Le fils, c'est Facebook qui a trompé son mari avec le peintre. Qui ça? La femme de Moustiquito. Hey! Les filles du village. Voilà les jeunes d'aujourd'hui, voilà comment vous êtes. Et ce n'est pas fini. Elle a dit qu'elle ne rentre plus dans le mariage là. Comment ça fait? Comment elle ne rentre plus? Quoi? Mais là, celle-ci n'a même pas voulu partir loin. Ça, c'est parce qu'elle n'a même pas pris le risque pour aller chez le voisin. Mmh. Elle va rester que sur place chez elle. Alors qu'elle n'y aura pas chez elle avec le peintre. Non, c'est pas possible. Allez dire à la femme de Pataro que Aïcha Kamoisa dit qu'elle arrête les pleurs du Mbolé. Qu'est-ce que c'est pas? Elle se rend compte que la ménagère qui est à la maison, là, qui les aide à gérer les 7 enfants, est enceinte de son mari. Ha! Au revoir! Comment est-ce que deux personnes peuvent s'aimer pendant des années, surmonter des obstacles, traverser des barrières, faire la honte aux gens, décider enfin d'officialiser leur union devant Monsieur le maire? Les gens ont mangé. En vrai? Les familles ont bu. Je te dis que... Les amis ont acclamé. On ne mange pas les applaudissements. Comme le corps n'arrête jamais de chanter. Mm-hmm. Un de ces quatre. Venez, oh, venez. Bonjour. La séparation. Alors. Lorsque j'ai appris la mauvaise nouvelle, écoutez très bien, j'ai été troublé. Ah bon, hein? Je me suis posé beaucoup de questions. Papa. Qu'est-ce qui peut être la cause de cela? Ah, comme il est, avec sa tête comme la pierre. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quitte-la! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Je dis, hein, c'est le père de Gloria ici, non? Oui, oui. Et il parlait des couples séparés. Je sais que quoi? Lui-même avait abandonné la mère de Gloria et ses enfants, non? Oui. Donc, c'est lui ici? Oui. Bref, continue, hein, c'est la cour de l'autre qui est toujours ça. J'ai dit que... Mais, mon frère, hey! Il y a une catégorie de personnes, là, qui passent leur temps seulement à mettre leur bouche dans le foyer des gens. Ah bon? Et pourquoi? Ça, les Camerounais aiment mieux connaître ta vie que pour eux-mêmes. Donc, quand ils sont assis comme ça, leur vie les énerve, ils passent leur temps à regarder ce qui se passe dans le foyer des autres. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Je reste que sur place, on est même sur place. C'est ça que ne bouge pas. Quand tu es dans l'avion, pour tous ceux qui sont rentrés dans l'avion là, on dit souvent, nous traversons des zones de turbulence. Quand on dit nous traversons les zones de turbulence, ce qui vient après là, c'est pas pour dire des salons de l'avion, hein, non. Ce qui vient après là, c'est pour dire attachez bien vos ceintures. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque foyer, dans chaque relation, il y a ce qu'on appelle les zones de turbulence. Il y a ce qu'on appelle les problèmes. C'est à vous de serrer les ceintures et de ne pas fuir les problèmes. C'est à vous de serrer les ceintures et de ne pas descendre de l'avion. Vous comprenez? Si tu es parti à la mairie, tu es parti devant l'église, devant tout le monde, tu as dit oui, j'accepte. C'est que tu as dit oui, j'accepte, tu considères ton nom est comme ça. Le mot j'accepte, c'est pour dire que j'accepte avec ci, avec ça, avec tout ce qui va venir après. Avant d'aller à l'église, à la mairie, avec Pataro, elle connaissait déjà qui était Pataro. Donc vous qui passez le temps à quitter les foyers, là, vous devenez des volatiles d'un toit à un autre parce que vous dites que non, mon nom est ceci. Quand tu opposais, tu savais qu'il était comme ça, non? Les filles, une femme ne peut pas se comparer à un homme. Écoutez très bien. On ne va jamais dire que l'homme est bordel. On va insulter la femme de bordel. C'est comme ça. Vous comprenez dans la compréhension? Tu aurais pu partir de la plus bonne des manières. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire, prendre tes clics et tes claques et partir doucement au lieu de faire ce que j'ai entendu là. Avec combien de paix? J'ai pas envie de parler. Mais ça m'excite là que ça peut sortir. Godness! Les gens ont dit que tu n'accouches pas. Il a dit que contre vents et marées, à la vie et à la mort, c'est la mort qui va nous séparer. Mais il ne savait pas que c'était ta bordellerie qui allait vous séparer. Comment ton mari peut envoyer le peintre de venir peindre la maison? Tu écartes le zoo, tu donnes le peintre. Hein? Ah, quoi? C'est de la sauvagerie. Les femmes ont fait fort. Tu te plains qu'ils te trompaient, maman. Ndote! La saleté! Dirty! Pourtant, les gens se plaignent. Hein? Vous voulez tuer vos maris avec l'agneau? Je sais que quoi? Vous voulez tuer les dames, les enfants, les gens avec l'agneau? Lorsqu'une femme n'a pas encore la bague au doigt, elle te respecte. Donc comment aller travailler? Vends-moi le tarot. Bois. Rends-toi à côté de nous que c'est le travail, maman. Maman, même celui qui a mis la peinture à la maison, tu l'as pas laissé. Après les millions qu'on a vu qu'il avait dépensé sur les réseaux sociaux, là, on apprend aujourd'hui que cette femme lui trompe
avec un chauffeur. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas les gens, les filles, les femmes, les filles, des gens cela. Honnêtement, je suis perdu de ouf parce que Dieu n'a pas créé la nuit pour qu'on passe la vie à courir les fesses. Cette même femme lui trompe avec un chauffeur. Elle a trompé par mousse. Elle a trompé par mousse avec le chauffeur. Attends. C'est notre papa. Elle a trompé par mousse avec le peintre. C'est grave. C'est même très grave. Les gens disent sur Facebook, sur le tarot, parce que par mousse comptait les morceaux de viande depuis qu'ils... Vous êtes plus le fait qu'on a dit qu'on doit se marier pour faire les enfants. C'est devenu un travail. Les filles Betty, les filles Ewondo, les filles Boulou. Allez, ferme ta bouche. Moi, j'ai plutôt les Yaoundé. Les filles Dola et les Bassad ici, là, c'est la Nyoto. Donc, il y a une fille. Les garçons vont faire. C'est parce qu'on est devenu fou dans mon fesse. Elle est là. Manger tes fesses, appuyer tes seins, sucer tes seins. C'est le travail à faire. C'est le travail là-bas, maman. C'est pas possible. Donc, regarde, on te masse, c'est même que tu vois un vieux garçon. Sa bouche est là. Toujours parce que le soir des guillemets, tu veux plus sous le seum, sous. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ce sont les célibataires qui sont en train de donner des conseils et des leçons concernant les couples des gens. Ceux qui n'ont même jamais fait les toquets portes, ceux qui n'ont même jamais fait une semaine avec une go à la maison, parlent de mariage. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.